Les amis, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo et je vais cuisiner pour mon chéri. Je vais cuisiner, c'est un bien grand mot. Enfin, c'est quand même de la cuisine, mais bon, voilà. Donc je vais lui faire des cupcakes. Donc aujourd'hui il a décidé de cuisiner pour moi, donc voilà. Voilà. Et donc moi je vais faire le dessert. Donc je lui dis si tu veux, je vais faire des cupcakes. Donc c'est la première fois que je fais des cupcakes. Donc s'il vous plaît, soyez gentil avec moi. C'est pas la peine de critiquer. Je fais vraiment de mon mieux. Voilà, j'ai suivi tous les tutos machin sur YouTube. Et voilà, je vais m'élancer et puis voilà quoi. Donc j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des petits confettis pour la déco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté ça, c'est un. Je sais pas comment ça s'appelle. Pipe. Voilà, chez Ikea, ça vaut 5 livres. Voilà, j'ai acheté également des moules en silicone. Donc, ça, c'est. Je pense que c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Voilà quoi, donc c'est parti, on va y aller, hein. Chap, chap, chap! Et voilà, donc j'ai terminé de faire la pâte, j'ai mis ma pâte dans les moules. Alors ce que j'ai acheté des petits papiers comme ça, pour les cupcakes normal. Comme ça, quand je vais les décorer avec le icing, je peux les manipuler tranquille, quoi. Voilà. Également les moules en silicone, c'est vraiment top top parce que quand vous avez les moules déjà tout prêts avec, vous savez, là, les 12 trous. Voilà, et que vous reste encore de la pâte, c'est un peu con. Donc là, en fin de compte, j'en ai fait, je sais pas combien, là, j'en ai 1, 2, 3, là, j'en ai 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc voilà, j'avais de la pâte en plus, voilà, j'avais juste à prendre un moule en silicone en plus, voilà, et hop, je remplissais, et voilà, mon pot, il est complètement vide. Voilà. Donc on va mettre tout ça au four et puis on va voir ça dans une vingtaine de minutes. Voilà. En attendant, je vais préparer le icing. Et puis je crois que le icing c'est le plus dur à faire. Je crois que c'est là que ça va casser. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Ok? Je vois tout à l'heure.
Donc voilà, donc j'ai fait donc mon glaçage, icing comme ils appellent ici, donc avec du sucre glace, donc 350 g de sucre glace et 150 g de beurre. J'ai ajouté également un peu de rhum pour donner un petit goût et de la vanille. Franchement, c'est trop trop bon. Vous voyez, c'est compact. C'est bon, délicieux. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans le pipe et je vais commencer à piper. On va voir ce que ça va donner. Franchement, c'est trop tap tap. Mes cupcakes sont bientôt prêts. Voilà quoi, on va y aller. Mes cupcakes sont prêts déjà. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il était un petit peu déformé comme vous voyez. Donc je suis bon, juste pour voir. C'est pas de la gourmandise, hein, je vous rassure. C'est juste pour voir l'intérieur. Et ça, voilà, ça j'aime bien. Et je vais le goûter. Ouais, ça va, c'est moelleux. C'est bon. Exactement ce que je voulais. Ouais, ils sont bons. Donc, ça, plus le icing, on va y aller. Donc j'ai fini mes cupcakes, voilà, ils ont l'air super bons. Je pense que mon chéri va adorer. Honnêtement, j'ai goûté un petit peu, ils sont super. En fin de compte, on sent bien l'alcool, enfin l'alcool. On sent bien le rhum dans la crème et c'est trop trop bon. Donc la crème, c'est vraiment super simple à faire. En fin de compte, c'est juste fouetter du beurre pendant 5 minutes et rajouter du sucre glace, c'est tout. Et après, bon, j'en rajoute la décoration comme on veut, quoi. Voilà. Ben voilà, donc ben, je vais me préparer tranquille, je vais aller voir mon chéri. Puis ben voilà, je vais mettre tout ça au frais et puis je vous montrerai ce qu'il en pense. D'accord? Je dis à tout à l'heure. News par rapport à ma mère. Donc ma mère est rentrée en Guadeloupe hier. Voilà, donc elle a pris un vol pour la Guadeloupe, un vol simple. 800 euros, accroche-toi bien. Je crois que j'ai jamais payé un vol aussi cher que ça. 800 euros. Sinon, un aller-retour, c'était 1300. Ça va, ils font plaisir à Air France. Donc, elle est arrivée. Donc, j'ai appelé mon papa tout à l'heure. Et ma maman faisait sa sieste. Donc, je l'ai pas dérangée. Donc, je vais la rappeler tout à l'heure. Voilà, pour avoir un peu plus de nouvelles. Mais tout va bien. Elle est bien rentrée. Bon. Voilà. Oh, sinon, donc, ben là, Oliver me fait à manger. Et c'est succulent. Alors, il y a du riz, des pois rouges, avec banane plantain, des pâtes avec du fromage. Ouh, c'est. Miam, 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 miam. Aïe, aïe, aïe. Et en dessert, bien sûr, mes cupcakes que j'ai cuisinés moi-même. Voilà. Donc, Oliver sera juge de ma cuisine et comme je serai juge de sa cuisine à lui aussi. Donc je vous montre tout ça en image dans quelques instants. Alors, je vais goûter, je vais commencer par les plantains parce que j'adore les plantains. Voilà. Parfait. Non, juste très bon. Very nice. I'm just. Riz. C'est un petit peu sec, mais c'est bon. Ça manque un peu de jus, je trouve. Mais c'est très très bon. Super. Eh oui, le chef. Tadam! Monsieur Ramsay himself. Bon bah le résultat en image. Voilà, c'était délicieux quoi. Vraiment trop trop bon.
Et petite touche antillaise avec un peu de sauce créole. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore la sauce, les bananes plantain. Et franchement, il l'a vraiment fait très très bien, comme j'aime bien. Soft, enfin moelleux et bien sucré. C'est délicieux. Miam miam. Merci Oliver. J'ai dit merci Oliver. Et bien voilà, donc la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé son contenu. Si vous avez des questions à poser par rapport à comment réaliser les cupcakes, si vous avez ou des astuces par exemple, ça serait sympa. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker ou encore bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc moi ensuite je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Mouah. Ciao.